Bienvenue à Fort Boyard, ce grand chapiteau qui servira de stage en milieu de travail pour celle qui se joindra bientôt au Cirque du Soleil. Reste à savoir si elle saura se synchroniser avec la faune d'ici. Son complice, un comédien bourré de talent qui passe d'une série à l'autre, contrairement aux Canadiens. Reste à savoir si son inspecteur Turgeon dans la série Lobby lui permettra d'éviter les pièges de Fort Boyard. Aujourd'hui, Sylvie Fréchette et Hugo Dubé. Tout le monde en place. Accompagner Sylvie et Hugo, Denis Bertrand, Marie-Claude Rivard et Thurston Labissière, ils sont là et ils sont prêts. Tout le monde est là? Oui. Parfait. La boule, coup de gong. C'est bon. On va faire un site social. D'ailleurs, Sylvie, tu t'en vas tout de suite voir le père Foura. Allez, okay. Bon voyage. Bon voyage. Vous n'avez pas d'homme fort dans l'équipe? Pas d'homme fort dans l'équipe? On va juste se contenter de Thurston. Viens ici, Thurston. Thurston, viens ici. Thurston, viens ici, viens ici, viens ici. As-tu fini de grandir? Je l'espère. Mais t'as pas fini de pousser. Tu peux y aller? On le voit là? Alors, vous voyez l'image là, il fait face à l'homme fort du fort, il doit pousser. Si vas-y, come on, pousse! Vas-y, pousse, Thurston, avec tes jambes! Ça allez, pousse. Vas-y! Oui, mais allez, là! Tu l'as quasiment! Allez, encore! Oui! Le plus... Allez, Thurston! Le plus il va être au bout de la barre, le plus il va avoir de levier. Au bout, Thurston, au bout! Approche-toi de la corde! Au bout, c'est bon, c'est bon! Il est parti, gars! Vas-y! Au bout de la corde! Encore! Passe la porte! Il peut crier, hein? Allez, allez, Thurston! La boule, Thurston! La boule! Allez! Par coup, comme ça, c'est bon, c'est bon! Oui! Pousse, parti coup, tu l'avais! Avec la porte, avec la porte! Pousse! Go! Go! Pousse! Oui! Ah ouais, Thurston! Il y a du temps, vas-y, va! Ah oui! Oui! Pousse! Donne des coups, Thurston! Donne des coups! Oui! Il est prêt à la porte, oui! Les bras en avant, là, ça va l'aider. S'il met plus de poids, ses bras en avant, s'il étire ses bras. Mets tes bras en avant, Thurston! Pousse avec tes bras en avant! Oui, surveillez le temps, ce sera pas long. Puis il va falloir taper dans la porte pour le faire sortir. Vas-y, un autre coup! Vas-y! Faites-le sortir, faites-le sortir! On va te laisser t'en mettre de tes émotions. Sylvie, t'es avec le père Foura. Marie-Claude, tu t'en viens avec moi pour se préparer pour la clé à la mer, OK? C'est où ça? Et hop, une petite routine vers le placard. Et hop, une autre vers le livre. Oh, ça mérite une note parfaite, n'est-ce pas? Oui. Ah non, j'ai fait beaucoup, beaucoup de nages synchronisées avant, mais j'ai dû arrêter malheureusement car mes poils restaient collés dans le filtreur. Oh. Allez, on y va. On est prêtes? Oui. Écoutez bien. Marque des champions et des héros, on me frappe recto verso. Parfois pieuse, souvent militaire,
J'unis le chien et le propriétaire. Qui suis-je? La laisse? Je répète, non. Par marque des champions et des héros, on me frappe recto verso. Parfois pieuse, souvent militaire, j'unis le chien et le propriétaire. Qui suis-je? La Allez. Pièce, non. L'or... Non. Le... On me frappe recto verso. Valérie, La respiration, le mouvement... Non, vous êtes laissé distraite là, mais non. Eh, c'était une médaille. Mais oh oui, Dieu, on décerne des médailles aux champions et aux héros. Recto et verso, la face et le revers d'une médaille. Médaille pieuse ou militaire. Le maître attache une médaille d'identité au cou de son chien. Oh, bah là, c'est full plate, hein. Eh ben, hop. Oh. Non. Allez, non. Coulez. Eh bien, pour une nageuse, hein, là, elle a perdu pied. OK, tu vois, Marie-Claude, la clé est là. Oui, tu vas la chercher. Oui, la marée est trop basse. Tu peux pas sauter. Il faut vraiment que tu descendes le filet. Et tu fais ça le plus vite possible, d'accord, vu que ça va prendre plus de temps, comme tu as à descendre le filet. Oui. C'est bon, ça. C'est bon. Oui, vas-y, tu peux y aller. OK. Marie-Claude Orbord. Hugo, es-tu venu juste ici pour être quelqu'un qui applaudit, toi? Ici. Non. Je te confie cet instrument de travail. Okay. Tu vas aller chercher un objet. Aller-retour, jamais mettre le pied au sol. T'es un joueur de soccer, toi? Oui. Oui. Pour oui. Pas que tu serves tes pieds sur le sol. Aller-retour, tu ramènes la clé avec ça. Dans ma réunion. Ça va? Oui. Hugo, tu vas monter par l'échelle. Ici, tu vas entrer par la petite portion qui est en haut. Tu peux commencer à monter tout de suite. Le temps commence pas maintenant. Le temps commence une fois que tu vas entrer dans la cellule. Le système d'alarme du fort... Attendez, les gars. Le système d'alarme du fort va être déclenché si tu mets le pied à terre. Fait qu'à la sortie aussi, tu passes par là. Vas-y tout de suite, Hugo. Perds pas de temps, tu reviens avec la clé. Échappe rien. Échappe rien, rien par terre. Surtout, pas la ventouse, pas rien, OK? Alors... Voilà, le temps vient de partir. Hugo vient de se retrouver dans le musée du fort et c'est un musée qui est bien gardé. Vas-y lentement. Oui. Descends lentement. C'est où la clé? La clé est dans la vitre, là. Ah, Sylvie, bravo. Vas-y, Hugo!
Sylvie. Vas-y, go! Vas-y lentement. Good okay, job, good job. C'est bon, c'est bon. Continue. Monte dans la balance. Marie-Claude a ramassé la balance. Excellent. Inquiète-toi pas. Vas-y lentement. Bravo! Ça a été difficile. OK, Hugo, continue. Perds pas de temps, Hugo. Hein? Va falloir que tu reviennes par le même chemin. Oh, oh. Good, c'est bon, c'est bon. Excellent travail. Non, il y va. OK. OK, ça, c'est le hamac du père Foura. C'est vraiment, c'est le moment le plus difficile. C'est ça. Oui. Attention, touche pas à terre. Touche pas à terre. Touche pas à terre. Relève-toi. Est-ce que tu peux toucher à ça? Aïe, 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 aïe. Essaye de te remonter sur la main. Mais s'il peut avoir accès à la clé comme ça... Remonte-toi. Remonte-toi. Touche pas à terre. Il y a du temps, donc tu peux essayer. Ah, attention! Touche pas à terre. Attends. Fais ça! Hugo, faut que tu sortes par en haut! Fais attention, faut que tu sortes par en haut! C'est excellent, c'est très, très bon. Oui! Vas-y lentement, t'as du temps! Soit d'inventer une machine à stopper le temps? Oui. Peut-être que tu vas en avoir de besoin. Va voir le père Foura tout de suite. Oh, oui. Marie-Claude? Oui? Marie-Claude? Quel est le chemin le plus court entre deux points? La ligne droite, je pense. Non, c'est vers le haut. Est-ce que tu fais du ski? Oui. Ça va te servir. OK, vas-y, Marie-Claude. Vas-y, vas-y. Alors, elle a remonté le filet, là, elle est capable de remonter ce mur-là. La clé est en haut du mur glissant, Marie-Claude. Elle est en haut, la clé. Vas-y, agrippe-toi, vas-y, Marie. Tu la vois bien? Oui. Est-ce que je suis le meilleur chemin? Alors, tu peux essayer les chemins, vas-y. Elle peut essayer les chemins. Fais le chemin, vas-y, vas-y, fais un pas de ta gauche. Elle peut sauter d'une... Tu peux sauter d'une place à l'autre, c'est ça. OK. Vas-y, vas-y. On recommence. On recommence ça, ça va bien aller. Ça va très bien. Oui, bon, bon, excellent. Très bien. Je pense que je vais essayer comme ça. Ouais, tu l'as eu tantôt, c'est ça, oui. OK. Good job, good job. Le pied dessus, si tu peux. OK. Oui. T'as la bonne technique, là. Oui. Ben oui. C'est loin. L'important, c'est de monter. OK. Continue, oui, Marie-Claude. Continue. Oh. Prends ton temps. Oh. Oui, good. Oh. Excellent. C'est bon, Marie, c'est bon. Oh. As-tu une autre prise pour ton pied? Attention, attention. Si elle est capable d'attraper ça avec sa main, là. T'es capable d'aller? OK. Si elle est capable d'attraper l'autre prise avec sa main. Avec sa main, va. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Encore à ta gauche. Prends ton temps, t'as du temps. Oh, oui. Bravo. Tiens vers toi. Bravo. Bonne chance, bonne chance. Marie-Claude, je pense que ça se descend mieux que ça se monte. Bon, là, Denis est avec le père Foura. On regarde tout de suite. Puis si jamais il l'a pas, on peut pas aller chercher la clé à la mer. Vous y allez tantôt. Alors nous, on va se préparer pour la prochaine. Venez-vous-en. Oh, enfin un homme de lettres. Vous tombez bien, Denis. J'ai de la malle pour vous. Hein? Oui, mais enfin... Tout d'abord, vous répondez à mon énigme. Écoutez bien. Appliquée avec art, elle neutralise l'adversaire.
Fatale au frappeur qui fend l'air. Prise. Là. Prise. La prise. La prise. Oh là, c'est full cool ça. Ah, c'est bon. Oui, oui, bah vous, vous n'avez pas échappé à la mienne. Hein. Non, non. Tenez, c'est, bah, oui, c'est la prise que vous avez trouvée. J'ai la même prise, pas eu le temps de finir. Ah, mais écoutez, non, mais on a du temps, il faut. Oui, oui, vous avez du temps. Vous êtes pêché, merci. N'en perdez hein. pas alors. Hein. Faut fermer les fenêtres, il va. Oui, c'est ça, oui. Pour une fois, ça va plus vite que la malle. Oh, oh, oh. On a tout assez fait? T'en as pas assez fait. Et ça, Sylvie, toi, là, t'as passé ta vie dans l'eau, tu dois avoir le pied marin. Mais à chaque fois qu'on met le pied dans la cabine du capitaine du Fort Boyard, il y a une tempête qui se déclenche. Mais il faut que tu trouves quand même une clé. Elle est là quelque part. À toi de la trouver. Sylvie, attends-moi, je sais ça. Là. Aussitôt que tu nous entendras pas, quand tu vois la lumière rouge, quand tu vois la lumière rouge clignoter, tu ressors, ça veut dire que tu n'as plus de temps parce que tu nous entendras pas. Alors, quand la lumière rouge clignote, tu t'en viens. OK? Alors, tu nous reviens avec la clé, Sylvie. Bravo, Denis, hein? Yes! OK. Alors, tu peux entrer, Sylvie. OK. Elle est dans la cabine. Là, nous entendra plus, là, ça commence. Elle est dans la cabine. OK, le pied va arriver. Il faut absolument qu'elle trouve la clé dans un des tiroirs, dans un des coffres, dans une des boîtes. C'est la clé. C'est une des clés comme vous avez. Alors, elle fouille partout. Elle peut nous entendre si on l'encourage. Elle peut... Let's go, Sylvie! Toi qui suis sur le bord de la porte, là, let's go, donne la grande porte. Oui, t'as le droit, là! Qu'elle fouille partout. Partout! On voit que t'as le droit de fouiller dans la maison! Oui! Vas-y. C'est ramer tous les deux dans la même direction. Et plus on rame vers l'avant, plus la lumière s'approche de soi. Et plus la lumière s'approche de soi, plus la clé apparaît. Marie-Claude, Kirsten. Préférablement, l'homme devant. Ça va? Ramer par en avant. Okay. Let's go! Marie, tu sais comment ramer? Oui! Go! Allez-y! Okay. Kirsten, tu t'installes en avant. Kirsten, en avant. OK. Alors là... Okay. Il rame. Alors là. Ouais. L'autre côté! Dans l'autre sens! Oui. OK. C'est voilà. Ça! Ouais. Let's go! Encore! Alors là, plus ils vont ramer, plus la lanterne qui est à droite, vous voyez, va descendre. La lanterne descend, c'est dans la lanterne qui a la clé. Alors, plus ils rament, plus la lanterne descend. OK, let's go! Plus vous ramez, plus la lanterne descend! C'est bon. Il faut qu'il soit le plus synchro possible. Allez, synchro, en amoureux! Denis, j'espère que t'es pas jaloux. C'est bon, c'est de même, allez-y comme ça! Ah ouais, c'est bon! Allez! C'est bon. Parfait, ça! Oui! C'est bon! Thurston, c'est ta chance de se reprendre. Allez, reprends toi, Thurston! C'est bon. Allez, Thurston! Allez! Ça s'en vient, ça commence à descendre. Lâchez pas!
continue, qui continue. Continuez, c'est bon. Allez-y en même temps. Il faut qu'il fasse les plus grands gestes possibles. Les plus grands gestes possibles. Allez. Va te chercher loin en arrière, Thurston. C'est ça, c'est va te chercher loin. C'est bon. Va te chercher loin, c'est ça, continue. C'est bon, ça s'en vient. Allez. Ouais. Vas-y, Thurston, vas-y. Vas-y. Allez, pas juste du nez. Encore. Les grands gestes. Qu'est-ce qu'elle dit? Ok. Bon. Encore, il n'y en manque pas beaucoup. Ça s'en vient. Il leur reste pas beaucoup de temps qu'ils fassent ça. Dépêchez-vous. Plus vite. La clé va commencer à sortir. Encore, continue! La clé s'en vient! Vite, là! Dépêchez-vous! Il reste 3-4 coups de rame, puis ça va y aller. 4 coups de rame, ça s'en vient! Il en reste pas beaucoup de temps. Allez, dépêchez-vous! Dépêche! Encore 2 coups de rame, 3 coups! Prenez la clé! La clé! Dans la lanterne! Dans le trou! Vite! Demande à Thurston, c'est juste ça! Hey, vous avez votre 5e clé, il reste une épreuve, on y va! Bravo! On y va! Bravo! Rame donc! Prochaine épreuve, ça prend quelqu'un qui agit avec délicatesse. La délicatesse d'un facteur ou d'un serveur. Denis, la prochaine épreuve, c'est apprendre avec des pincettes. Trouver la petite clé pour avoir la plus grande. Pas compliqué, mon Denis. Non, c'est bien simple. Alors. Bonjour, Denis. Oui. Alors. Là, il y a quelqu'un qui devrait se rapprocher de la porte, peut-être. Il prend les chaînettes. Il est en bas, les cheveux. Voilà, il y a les chaînettes. Faut que tu rentres dans les petites supports. Qui aille chercher la petite clé qui est sur le support, là, pour ouvrir le cadenas. La petite clé qui est sur le support au fond. C'est bon, Sylvie, yeah! C'est ça. Après. OK, alors là, avec ces deux petites chaînettes, il va aller prendre le support. OK. C'est bien parti. Là, il faut qu'il... Ne t'arrange pas, Denis. Qu'il les balance. Qu'il balance les chaînettes. Les chaînettes. Pour aller chercher ça par l'extérieur. Voilà, excellent. Il l'avait. C'est ça, l'autre côté. Tout avec douceur. Vas-y, laisse-la descendre. Pas qu'il l'échappe parce qu'il va la perdre s'il l'échappe. Faut pas que tu l'échappes parce qu'on va la perdre. T'as tout ton temps. Vas-y, doucement. Sois orgueilleux, mon gars. Doucement, Denis. Prends ton temps. Respire. Fais pas maintenant, bon. C'est gros. Vas-y, lâche-toi, mon gros. Donne pas de coups. Denis. C'est très délicat. Doucement. Il en reste pas beaucoup. Doucement, Denis. T'as du temps, Denis! Pas tant que ça, je veux pas vous rusher. Il est à mi-temps ou un petit peu plus. Puis il est presque arrivé. Vas-y, mais après ça, faut qu'il ouvre le cadenas qui garde la clé. Lui, il est à mi-temps, il dépasse. Non, il y a moins de temps que ça. Il monte, après ça, il faut qu'il ouvre. Vas-y, tu peux commencer à accélérer, mais doucement. Ne donne pas de coups. Parfait. Toujours doucement. Lâche pas, mon gros. Là, ça commence à urger. Allez, Denis! Plus vite, vraiment plus maintenant! Vas-y, plus vite, Denis! Attends, Sylvie, prépare-toi à le faire sortir! Ok, Denis, fais-le sortir! Fais-le sortir! Écoute, ça a passé. Bon travail. Ça a passé vraiment à un cheveu. J'ai un bout de bras, j'ai plus qu'à faire. C'est ça. Et on s'en va tout de suite à la porte de la salle du trésor. Okay, on a les bravo. Excellent. C'est très bien. Oui.
dans les serrures. Oui. Oui, on a cinq les cinq clés, ça prend cinq clés. Bon, ça, les clés dans les serrures, c'est votre passeport pour la salle du trésor, ça va. Maintenant, on passe à la recherche des indices. Premier indice, on va chercher chez le père Fouras à la salle du conseil et en plus trois aventures. Pas deux, trois. Hugo, père Fouras, t'attends. Okay, on va préparer les autres à la première aventure. On cherche des mots maintenant. Tout de suite. D'accord. Allons, 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 messieurs. Le temps n'est plus à la réflexion, mais à l'action. Accueillons ensemble Hugo. Venez, venez, jeune homme, et mettez-vous bien dans la lumière que je puisse voir vos yeux. Vous êtes dans le ventre de Fort Boyard. C'est ici que tout se noue et peut-être se dénoue. À vous. Mon premier indice est un illuminé. Le fou. Mais dites-le avec affirmation, c'est... Le fou. Eh bien voilà. Vous avez le premier indice, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Hein. Vous repartez avec le premier indice, rejoindre vos amis qui vous attendent près de la fosse au serpent. Allez, Hugo, et bravo, mais attention, allez. Prenez garde, jeunes gens, prenez garde. L'indice peut vous glisser entre les doigts tel un reptile. Des fois qu'on cherche des mots, on cherche des mots. Denis, tu vas te préparer pour la prochaine aventure. OK. Oh! Oh! Oui, oui, oui. C'est quoi? Fou. 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 OK. C'est vrai qu'il faut être un peu fou. Oh, c'est bien. Non? Bravo. On cherche un mot. Mais ce mot-là est en deux parties. Il faut que tu trouves les deux parties, ça va? Oui. Je vais te demander de tenir ça pour moi, s'il te plaît. Tiens. Alors, il faut qu'elle trouve les deux parties d'un mot. Elle va descendre dans cette trappe-là et puis elle va trouver, tout simplement, les deux parties du mot. Tu peux descendre, Sylvie. Ils sont gentils, 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 gentils. Tu peux descendre, tu peux y aller, ma chérie. Ça bouge pas, t'es chanceux, ça bouge pas. Sylvie, t'es capable. Vas-y, laisse-moi, il y a les deux, va s'autodétruire, Sylvie. Sylvie, pense, équipe. Alors, okay. Ça va aller. C'est ça. Pense à l'équipe. Pense à l'équipe. Ça ou le boule. Ah, ça, ça bouge. Vas-y, Sylvie, vas-y doucement. Il dort. Il faut que tu les manipules très délicatement, doucement, Sylvie, OK? Doucement. Délicatement. Doucement. Vas-y. Allez, Sylvie. T'es capable. Sylvie, vas doucement, t'es capable. Vas-y. Faut que tu descendes, Sylvie. Vas-y doucement. Avec toi. Parce que l'indice va s'autodétruire. T'as pas beaucoup, beaucoup de temps. Là. T'as quelques minutes seulement. Il bouge pas. Vas-y doucement. Vas-y. Ben oui. Vas-y, Sylvie, t'as des trappes à ouvrir. Trouve des trappes. Vas-y, avance tranquillement. Vas-y. C'est beau. Avance tranquillement. Avance tranquillement, Sylvie. Vas-y. Vas-y, Sylvie. Il n'y a aucun danger. Vas-y. Vas-y. Si tu y vas doucement, il n'y a pas de danger. Il y a des portes. Tu vas trouver des câbles. Oui, vas-y, Sylvie. Vas-y, doucement. Je les vois pas. Il y a des portes avec... Tu vas voir des câbles. Tire sur les petits câbles. C'est en plastique, là. C'est pas des... Les câbles blancs, là, tu tires dessus. Pas de porte, oui. Vas-y, doucement, respire par le nez, puis vas-y, avance. Mais oui, mais viens derrière moi. Je peux pas. Sylvie, on va te donner une médaille si tu y vas. Vas-y, Sylvie, vas-y. Vas-y. Avance, Sylvie. Je suis pas capable. Oui, t'es capable. Ça fait des choses pires que ça dans ta vie. Vas-y. Non, il me regarde. Vas-y, vas-y, Sylvie, s'il te plaît. Sylvie, regarde pas les trappes. Vas-y, il y a des trappes. Tire dessus, c'est très bien. Tu fais bien. Continue. Allez. Allez, bravo. Voilà, exactement. Tire là-dessus. Oui, tire fort. Bon, excellent. Excellent. Regarde là-dedans. Faut que tu regardes dans les trappes. Faut que tu regardes dans les trappes, Sylvie. Ils sont écœurants.
Faut que tu regardes dans les trappes, Sylvie. Regarde dans les trappes, Sylvie. Les trappes que t'as ouvertes. Oui, les papiers sont dedans. Vas-y, je pense que c'est les trous des papiers. Continue. Lâche pas, Sylvie. Avance. C'est une question de contrôle, Sylvie. OK? Vas-y. Après ça, là. Bouge doucement, puis les papiers vont apparaître. Vas-y. Vas-y, Sylvie, s'il te plaît. Allonge le bras doucement. Allonge doucement, vas-y. OK, attendez, mais là, là. Oui, c'est ça, tu l'avais encore une fois. Va voir dans les trappes que t'as ouvertes. Va voir dans les trappes que t'as ouvertes. Vas-y, voir dans les trappes. Va voir dans les trappes que t'as ouvertes. Tu peux... Sylvie, si tu les touches délicatement, là, il n'y a pas de danger. C'est ça. Allez, ma petite Sylvie, vas-y. C'est autodétruit? Hein? Non, c'est pas autodétruit encore. C'est une chance. Essaye d'aller tout seul. Encore un petit brin. Allez, un petit brin. Allez pour Enfant Soleil. Vas-y. Allez, Sylvie. Allez, pas plus longtemps que tu fais ça vite. Parce que le papier va être là. Vas-y doucement. Faut que tu les bouges un petit peu. Bouge-les doucement. OK. OK. Viens-t'en, Sylvie. OK, oui. Hey. Viens-t'en, Sylvie. Excuse-toi pas. Viens-t'en. Hey, Sylvie. Oui. Sylvie, c'est une erreur du serpent brésilien, OK? Inquiète-toi pas, c'est une erreur du serpent brésilien. Inquiète-toi pas, on s'en va tout de suite rejoindre Denis pour la prochaine aventure. OK, venez-vous-en. OK, bravo. Venez-vous-en. Hey, Denis nous attend pour la prochaine aventure. Venez-vous-en, OK? Allons-y. Allez. OK. Oh, que d'émotion! Toi, t'es une trop petite nature pour voir ça. Va te préparer pour la seconde aventure. Denis, c'est vrai que quand t'étais petit, t'as avalé une épingle à ressort? Oui, je l'avais. C'est là qu'on va voir s'il en reste ou si elle va sortir. N'oublie pas, tu gardes les yeux ouverts en tout temps. En haut, tu vas avoir un tableau noir avec un mot écrit dessus. Tu dois le dire à tes camarades de l'équipe. Thurston, Marie-Claude, pourriez-vous tendre la corde un peu, s'il vous plaît? Tendez cette corde un petit peu. Sylvie, viens te défouler un peu. On sait que tu as vécu des choses pas tellement drôles. Okay. On va tendre la corde un peu. Allez-y. Okay? Oublie pas, Denis, tu gardes les yeux ouverts. Hein? C'est parfait. Désolée, Denis. Fais-toi Denis, tu gardes les yeux ouverts. Denis, tu gardes les yeux ouverts. T'es prêt? Bye-bye, mon cowboy. Ça s'appelle le pont de singe. As-tu des aptitudes? Regarde. Oh! Au bout là-bas, là, tu vois une cartouche. Hein? Au bout là-bas, tu vois une cartouche. Là, tu vois? Dans cette cartouche-là, il y a une petite clé qui sert à ouvrir le coffret ici, parce qu'à l'intérieur de ce coffret-là, il y a l'indice dont on a besoin. Okay. Mes enfants, faites jamais ça. Pas là. Tu y vas? Oui. Hugo, c'est notre dernière chance d'avoir un indice. On a boue et on a fou. Alors... Tu perds pas de temps, tu t'en vas sur le pont de Saint, Hugo. Facile à dire, Marie-Soleil. Je sais, c'est pas facile à faire. Il y a aucun doute là-dessus. Regarde pas en bas, tout simplement. Les tigres sont en bas, mais bon. Lui, il est comme bien, là. Il fait juste...
donner un funambule pour quelques minutes. C'est ça, ça, ça a l'air de rien comme ça. Let's go, Hugo. Let's go, mon Hugo. Tu gardes un bon rythme, Hugo, tu continues. Des grands enjambées, ça va être meilleur. Des grands pas latéraux. Débrouille bien. Puis il va falloir. Imagine que tu lances la samba. Il va falloir que tu reviennes en plus, hein? Ça fait que tu perds pas de temps dès le départ, Hugo. OK, continue, Hugo. Go, Hugo. Vas-y, vas-y, Hugo. Vas-y avec tes jambes, Hugo. C'est ça, fais des grandes enjambées. Oui, excellent, ça s'en est. Pourquoi j'ai pas le goût de lâcher la corde? Hugo, essaie de faire ça vite parce que t'auras pas le temps de revenir. Faut vraiment que tu te dépêches. Faut que tu accélères le rythme, Hugo. Est-ce que tu peux nous lancer la clé, à la limite? Faut au moins qu'il revienne assez proche pour être capable de nous la lancer parce qu'il y a... OK, ça va bien, mais continue comme ça, Hugo. C'est ça. Deux mots. Oui. Deux indices seulement. Deux mots, hein? Vous avez... Qu'est-ce que vous avez comme indice? On a fou et beau. Est-ce que vous avez des idées? Attention. Attention. Oui. Pendant que vous réfléchissez, il faut que l'orthographe soit correctement éplée à l'intérieur de la salle du trésor. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Si ce n'est pas le bon mot code, il n'y a pas de trésor pour Hugo, vous. Hugo! Soyez sûr, vous avez deux mots, vous avez fou, vous avez bou. Est-ce que vous avez des idées avec oui, ça? Oui. C'est possible de faire des sacrifices également, si le cœur vous en dit. Si vous n'êtes pas certain, vous faites un sacrifice. Si vous pensez de l'avoir, qu'est-ce que vous... Réfléchissez. Garde. Moi aussi, j'ai le flash tantôt. Garde. Garde. On a confiance pour garde. Garde, c'est bon. Tu es là, garde. G-A-R-D-E, 5 lettres. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? On va se placer sur les lettres. OK. Alors, OK, le 3 minutes finales est commencé. Vous ne faites pas de sacrifice. Vous avez décidé de ne pas faire de sacrifice. Non, mon G là-bas. Regardez vos lettres sur le terrain. G-A-R-D-E. C'est bon. Il y en a deux, une un l'autre, un l'autre. Ça ne dérange pas, ça. Hey, ça bouge. Passe en dessous. OK, vous allez vous placer le plus rapidement possible sur les lettres. Vous pouvez sauter, hein? Vous pouvez sauter. Manque d'énergie? Wow! OK. Ils ont tout donné? Un rappel. G! A! R! D! E! C'est bon! C'est bon!
Félindra, tête de tigre. Bon mot code. Aujourd'hui, Garde, quand même assez audacieux, avec deux indices seulement. Le premier, obtenu à la salle du conseil avec Hugo, était le mot fou, garde-fou. Le second, à la catapulte avec Denis, c'était boue, comme dans garde-boue. Le bon mot code. Aujourd'hui, Garde. La chaloupe, je voulais dire, aimer, c'est transporter les voyages dans la même direction. Wow! OK. Allez. On fait mon voyage, c'est l'arrivée. Allez-y. Faites attention. Sylvie, essaie de retenir avec ton bras. Parfait. C'est bon. Synchronisé, pas mal. Hey, c'est bon, ça. OK, hey, la porte a commencé à descendre. Pensez à revenir. OK, Denis, perds pas de temps avec la... Mets-vous-en. Allez. Okay. Attention de ne pas tout échapper. OK, c'est bon. Attention. Attention, regarde, t'en as deux. Oh. Allez, venez-vous-en. Hey, la gamme! Bravo! Bravo, j'ai ce côté-là. Allez, bravo. Au moins, dernier bout, toi, j'en ai vous en ce côté. C'est quoi ça, un bunt? Ah, c'est un sacré bunt. On peut pas dire. Le fort a des secrets et vous aussi. Oui, il faut intéressant. Garder les secrets, stimulation. Mais ça a fonctionné, en tout cas. Je pense. Oui, ça a bien marché. Ah, oui. T'es arrivé avec le lancer de la cartouche. Ah, ça a bloqué le bras. Il était comme... l'acide de truc dans la bouche, c'était le muscle. L'acide lactique. Je sens qu'il va y en avoir quelques-uns demain qui vont avoir... Moi, ça va être cette nuit, les cauchemars. C'était beau. Aller un peu plus loin que ce qu'on pensait, Sylvie. Toujours aller un petit peu plus loin que ce qu'on pensait. Ça a été fait. Bien fait. Je veux savoir combien vous avez remporté. Oui! Allez, bébé! Allez, ils sont-ils capables? Oh! Oui! On a fait gros, plein! On regarde ce que ça donne juste au-dessus. C'est pas loin d'un record, ça! C'est un beau gros montant. C'est 5 280 $ qui vont être remis en votre nom à Opération Enfant Soleil. Merci beaucoup! Félicitations pour votre passage. Denis, t'es le capitaine. Tu pars avec le magot, il en reste un. Tu pars avec le magot. Oui! Et puis... Et salut à tout le monde!